à Tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ragnamod. Alors, j'espère que vous allez bien. Et donc, comme vous avez pu le voir dans la petite séquence d'introduction, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements dans la tour. Énormément de farm, pas mal de build, du refarm, du rebuild, du refarm et du rebuild, n'est-ce pas? Euh, J'ai voulu euh, vraiment accélérer un petit peu euh, le truc à ce niveau-là. <laughs> Et donc on se retrouve du coup dans la tour, on va faire un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé, sur tout ce que j'ai pu faire. Donc la dernière fois on s'est quitté, j'avais fini le sol. Et euh, au niveau du hall, j'ai juste aménagé avec euh, un petit peu de verdure, et puis euh, avec les jack lanternes j'ai essayé de faire un petit truc euh, assez sympa. Le lustre aussi, il n'y était pas le lustre. Donc euh, ouais, bon rien d'extraordinaire au niveau du lustre, mais. Ça va, on va dire que ça va encore. Et du coup, chaque étage de la tour est aménagé, ça y est. Euh, donc ici, c'est ma salle des coffres, en même temps, ça se voit, <laughs> avec un peu de déco, un peu de tapis à chaque fois pour donner un peu de couleur. <coughs> euh, le petit air plein ici, avec des fours, euh, des jukebox, histoire de ce petit côté un peu RP, on va dire, des tables de craft sur chaque côté. Un peu de déco, et puis ça me permet d'avoir un peu d'éclairage. Puis, bah du coup, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai euh, tous mes coffres avec du bordel un peu partout. Tout ce que j'ai pu trouver, farmer à droite, à gauche à chaque fois. Voilà, un petit peu de tout au niveau des ressources quand même. Euh, j'ai quelques petits coffres de rab, mais euh, bon, après, je ne vais pas non plus continuer à, à farmer euh, sur cette série-là. Hein, comme vous le savez, il euh, y a Ragnablock qui est arrivé. Et donc je voudrais essayer quand même de me concentrer un petit peu sur Ragnablock. Euh, dans cet étage, j'ai gardé un thème principal qui est enchantement. Du coup, j'ai mes stuff, mes livres d'enchant, armure à chevaux, quelques petits, donc ça s'appelle les drawing racks, euh, histoire d'avoir un petit peu de déco. Là, ici, j'ai fait deux piliers pour habiller un peu le truc. Euh, L'XP que je reçois de l'étage du dessus avec mon ascenseur à item voilà pour quelques quelques trucs de foin ici je me suis fait euh, j'ai construit une cheminée en fait je me suis dit que ça faisait un peu plus RP et puis au final elle est assez sympathique je suis assez content du résultat final avec du coup bah, des fours généralement ici voilà il y a un petit peu de bouffe tiens d'ailleurs on va prendre un peu de bouffe l'air de rien un peu de bouffe un petit chaudron ça ça m'a fait marrer de le faire donc du ham bone alors je vais vous dire comment ça marche tout ça c'est pas très compliqué euh, à crafter Hop, voilà. Donc c'est euh, du porc avec un os au milieu. Alors ça donne énormément, énormément de bouffe en termes de saturation, enfin en termes de, de petits gigots. Bon, par contre, vous pouvez euh, l'utilisation ne fonctionne qu'une seule fois. Donc, euh, donc bon, voilà quoi. Voilà, voilà. Euh, J'ai l'impression que ah, je vous ai spoilé un truc. Merde. <laughs> J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Ça, ça devait être la fatigue. Donc, on va faire un petit tour d'horizon assez rapide quand même pour montrer quand même l'état d'avancée de tout ce qui a été fait. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites. Non, forcément. Et puis, j'aimerais quand même me concentrer sur Ragnablock. Voilà, c'est mieux comme ça. J'aimerais me concentrer sur Ragnablock parce qu'il y a énormément de choses à faire et, euh, et j'ai un peu du mal à gérer les deux séries en même temps. Ça, ça prend pas mal de temps. Ici j'ai ma salle à orbéry, donc c'est un sacré bordel, oui, mais bon. Voilà, hein, ça prend quasiment toute la surface du sol. <laughs> Sachez que je ne peux pas poser de, de torches à côté des orberries J'ai un trou là-bas. Ah bah tiens, il y a un trou ici. Ah, petit bug Bon ça c'est pas trop grave. Je ne vais pas continuer à enfermer. Hein. De toute façon, vous avez vu, hein, j'ai même pas tout ramassé tellement il y a de choses. Ici, cette petite salle-là... Euh... C'est la salle Tinker Construct, donc tous les outils, tout le bazar, donc encore une fois j'ai joué un peu avec les Drying Racks, je trouve ça assez sympa pour habiller, euh, pour habiller un intérieur, sachant que avec un mode euh, Bibliocraft j'aurais pu avoir un peu plus de déco, mais euh, du coup ça c'est pas trop mal, je m'en sors bien avec ça. Quelques coffres pardon, de stockage avec euh, bah, par exemple un peu de matos, etc. La cuve Tinker Construct qui est ici, que j'ai encadré, euh, avec toujours un peu de déco, un peu d'éclairage, un peu de lave au milieu, je trouvais ça sympa. Des minerais à même le sol, parce que, parce que voilà, il n'y a pas de respect. Hein. <laughs> Et puis ici, pareil, du coup, des coffres de stockage avec un peu tout ce que j'ai pu avoir, un peu durant les différentes sessions de minage, etc. Donc pas mal de petites choses. Ici, c'est mon four auto avec les items qui arrivent, hop, d'en dessous. Euh, voilà. <laughs> les tâches suivantes, qu'est-ce que j'ai fait déjà Oui, alors ici, c'est la salle d'alchimie, hein. bon, ça se voit, hein. Donc euh, pareil, j'ai essayé d'habiller avec euh, un peu plus couleur blanche, ça fait un peu plus laboratoire. Je trouvais ça assez sympa, j'ai joué un peu avec des blocs de la lazuli Bon ça rendait pas trop mal ici de la, de la clé rouge. C'est assez imposant par contre, ça c'est vrai, je m'étais dit aussi, c'est assez imposant. Mais en même temps, vu, euh, vu la taille de mes salles, l'air de rien, faut quand même que j'habille le bordel. Euh, et que j'occupe un minimum l'espace. Et même comme ça, de temps en temps j'ai l'impression qu'il y a un peu d'espace de libre. Mais bon, faut pas que ce soit trop surchargé non plus. Euh, deux colonnes avec euh, de l'eau, un peu de déco encore une fois, des verrues. Ici c'est mon coffre à alchimie, donc un petit peu, pas mal de matos, pas mal de potions que j'ai pu trouver euh, dans différents donjons euh, à droite à gauche. là Alors ici on l'avait vu, c'était la salle avec la fontaine. Alors cette salle-là, j'ai juste rajouté... What <laughs> Mais d'où tu sors D'accord. Alors, vu la tête et la taille de la construction, euh, je serais pas trop d'accord qu'un creeper me pète à la gueule. Je sais pas ce qu'il foutait là. Attends, je réfléchis. Qu'est-ce qu'il foutait là Où est-ce qu'il a pu... Bon bref, il faudra que je regarde, mais je sais pas du tout où il a pu apparaître. Saloperie de Creeper. Euh, je l'ai vu un temps. Je l'ai vu un temps. Donc ici j'ai juste rajouté, je disais... Des cocoabines, donc ça fait un peu plus coloré. Et puis y a un côté quand même pratique pour tout ce qui était euh, colorant, j'en avais besoin. Donc cette salle là, voilà, il n'y a pas trop de scoop. Alors ici, bien naturellement, ma chambre, il hein fallait bien avoir un truc badass. <laughs> donc j'ai fait un lit à baldaquin. Euh... Comment dirais-je Je suis content, mais c'est pas un truc de ouf non plus. Euh, ce qui me gêne, c'est les blocs de redstone ici. Mais bon, pour avoir de l'éclairage... Euh... Pour l'éclairage, j'avais pas trop le choix. Je sais pas trop quoi dire en fait sur ce truc là. Bon, de toute façon, après voilà, hein, je vous demanderai un peu votre avis sur l'ensemble de l'aménagement et tout. Donc, faudra pas hésiter dans les commentaires. Mais le lit, j'en suis content sans que ce soit un truc de fou. Bon, après voilà, hein, j'ai habillé un petit peu la salle. Euh, quelques tableaux, un peu de verdure euh, ici et là. Derrière, quelques bibliothèques. Je me suis refait des racks avec un petit livre, euh, un peu de papier. Bon, voilà quoi, histoire d'habiller un petit peu la pièce. Bon, J'espère qu'on va pas avoir de mauvaises surprises encore avec de la saleté de Creeper. Ici c'est le côté fonctionnel, ah par contre je viens de me rendre compte on voit la base du portail du nether, bah tant pis. Euh, ici ouais c'est une salle un peu pratique, <coughs> pardon excusez-moi, avec un peu différentes ressources, bon bah voilà canne à sucre, euh, raid exceptionnel, du cactus, euh, du. Euh, donc de la pastèque, de quoi faire de la jacolanterne, des citrouilles, des carottes, bon un peu, un peu tout j'ai envie de dire, tout le classique. Ici mon portail du Nether. Alors par contre pour le coup le portail du Nether, il n'y a rien d'exceptionnel, mais je le trouve simple et efficace. J'aime assez euh, l'habillage qui a été fait, bon même s'il n'y a rien de fou, effectivement. Et euh, ce, le plafond au niveau de la cloche ici, pareil, alors ça tombe plutôt bien, j'avais de l'émeraude en rab, <laughs> donc j'ai pu en réutiliser euh, au niveau du haut de la tour. Donc voilà, voilà un petit peu pour, euh, pour le tour d'horizon. Euh, donc, comme vous pouvez le voir, ça a quand même vraiment vraiment avancé parce que j'ai vraiment aménagé chaque étage. Donc, il y avait euh, un boulot monstre pour pouvoir vous montrer tout ça d'un coup. Et euh, et donc, et donc, et donc, s'il si, va falloir que j'aille, c'est cet étage là qui m'intéresse, mais bon, je vais préparer ça en off histoire que ce soit pas trop longuet non plus. Et si, sachez une chose. Je me suis restuffé, donc euh, là c'est tout neuf, tout beau tout neuf. Je me suis restuffé full Diams, donc protection 3, Aqua Affinity 1 et Torns 2. J'ai protection 4, Unbreaking 3, Torns 2 encore. Projectile protection 4, ça c'est pas top pour le pantalon, mais bon voilà, hein, c'est toujours ça. Et protection 3, Feather Falling 4. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés au niveau du stuff. L'épée, Knockback 2, Schnarpness 3, je sais plus si je l'avais déjà ou pas. Mais bon, bref, après hein, c'est pas non plus. Euh... C'est pas non plus exceptionnel. Voilà. Alors, bah, j'espère déjà que le petit, euh, le petit tour et la visite vous a plu. N'hésitez euh, vraiment pas à, à me donner vos commentaires. Sachez que la tour, du point de vue intérieur et extérieur, est complètement terminée. J'ai fini la construction de la tour. Et donc, du coup, bah, ça veut dire qu'on approche aussi de la fin de la série. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur, euh, voilà, sur tout le build qui a été fait, tout l'aménagement. Euh, je suis sûr qu'il y a des petits trucs à améliorer à droite, à gauche ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas. C'est toujours sympa d'avoir bah, une interaction avec vous et d'avoir un petit retour, voir un peu ce que vous en pensez. Et, euh, et donc voilà, ça, ça ne bougera pas. Donc on approche de la fin de série. Et à vue de nez, je ne pense pas que celui-ci soit le dernier épisode à voir. Mais euh, logiquement, euh, avec les autres membres du serveur, on voudrait essayer de vous montrer. La dimension biomeplenty, parce qu'il y a une dimension particulière. Donc bah on verra. Si tout se passe bien, on vous montrera ça. Euh, sinon, ça veut dire que du coup, cet épisode est le dernier de la série. En tout cas, voilà. J'ai un petit truc à préparer. Histoire qu'il y ait un peu d'action pour cette fin d'épisode. J'ai entendu un zombie. Je manque que c'est pas un creeper, encore une fois. J'ai l'impression qu'ici, j'ai des problèmes d'éclairage, non Bah ouais, j'ai des merdes d'éclairage. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi Oh, une carotte <laughs> Euh... Non, ici, il y a de l'eau. Ah, quoi Que là où je suis, il n'y a pas d'eau. Ah, ils peuvent spawner ici. Ah, oh, saleté Ils spawnent dans la fontaine. Saleté. Ok. Bon, en tout cas, voilà. Comme ça, c'est fait. Je sais d'où vient le problème. À la limite, je mettrai un petit peu d'éclairage. Mais je me demandais d'où ils venaient, ces saletés. Bref, allez. Je prépare deux, trois petites choses. Et on se retrouve tout de suite et ça y est, on se retrouve. Et vous l'aurez compris, <laughs> vous savez ce qu'on va faire. Bon, on va se faire un petit wizard. Parce que l'air de rien, je me suis dit. Alors, on a mis des modes, mais il n'y a rien de particulier sur l'Underdragon, Dragon. Donc ça ne vous apportera rien. Mais euh, c'est toujours sympa de se faire un petit Wither, Je trouve en tout cas. Donc voilà de quoi s'en faire un. J'ai changé d'épée. Donc c'est une épée Smite 4 et Unbreaking 3. Ce sera toujours un peu plus efficace. Pouf. Pouf, ce sera toujours un peu plus efficace. Et avant de mettre la dernière tête, on va se faire Golden Apple, méga Cheat de la mort qui tue, absorption, régénération, résistance. Voilà. Et c'est parti les copains. Alors j'ai mon arc ou pas Ouais, je sais, j'y vais tranquille, j'y vais en no stress. Allez, viens Allez viens. Oui, je l'ai eu. Station de minage automatique, les copains. Aïe. Où est ce qu'il est. C'est le truc qui est chiant, c'est que je le vois pas. Il est là. Euh, absorption paf 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 je suis plutôt bien à ce niveau-là Tiens Allez Meurs Eh C'est pas très cool par contre là Oh Il y a le feu Ce qui est chiant c'est qu'il se barre C'est bon, je l'ai retouché. Allez, ça va le faire. Hop, je l'ai encore retouché. Voilà, allez, suis-moi. Non, tu veux pas me suivre bah, Effectivement, je suis un peu caché comme à là, je te me dire. C'est pas grave. Alors par contre, ce qu'on va faire, je vais quand même mettre quelques torches. Je suis pas sûr que vous voyez grand-chose, sinon c'est pas très cool pour vous. Et puis bah écoutez, hein, voilà, hein, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en attendant euh... C'est pas facile de papoter en même temps que... En même temps de, que je tape un Wither. Mais oui, du coup, comme je vous le disais... Euh, donc je sais pas si ça sera le dernier épisode ou pas. En tout cas, dans l'ensemble, voilà. J'espère quand même que vous avez apprécié la série. Vous avez pas mal à l'avoir suivie. Et je vous en remercie, c'est vraiment sympa. Euh, parce que l'air de rien. Bon, après, c'est euh, les goûts et les couleurs. Il hein. y, a, y a des gens qui aiment pas trop les séries modées, etc. Qui préfèrent du full Vanilla ou... Voilà, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tout le monde. Donc, euh, Fire Résistance. Alors, on va faire un truc. Tac, tac. Oh non <laughs> Quelle boulette, c'était une splash potion. Oh, non Oh là 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 là. Je crois que je fatigue, en fait. Je fatigue, je fatigue. Entre Ragnarok et cette série-là, je fatigue un peu. Mais, comme je disais, voilà, j'espère quand même que vous avez apprécié cette série. Comme je vous le dis, on verra si c'est un dernier épisode ou pas. Euh, comment dirais-je euh, Peut-être qu'on arrivera à aller faire un tour dans la dimension bleu, Plenty. Je dis bien peut-être. Euh, donc ça, écoutez, on, on verra au moment voulu. Hein. On verra au moment voulu. Euh, c'est pour ça que je vous dis c'est peut-être là le, le dernier épisode. Hop là, on se cache comme des lâches. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous avez. Euh, ce que vous avez pensé de cette série, si vous l'avez appréciée, si. Si vous aimeriez revoir du mode sur la chaîne. Est-ce que ça vous plairait de revoir une série modée Alors ça peut être... Il y a différents styles de séries. Hein. Ça peut être euh... comme sur Ragnarod, un pack entre guillemets maison. Qui peut vous plaire, hein. pourquoi pas. Euh, mais ça peut être aussi... Il euh, y a d'autres séries, a là, comme Agrarian Skies par exemple, ou ce genre de choses. Il euh, y a énormément de choses du feed de piste en fait. Hein. Donc euh, là-dessus, voilà, je compte sur vous pour, euh, pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez apprécié ce genre de série, etc. Et normalement... Oui, normalement il m'a lâché un truc sympa. Euh, ok, bon c'était pas le combat des plus épiques. J'étais un petit peu en stress en plus avec le truc. Ce qu'on va faire, c'est que je voudrais vous montrer un petit truc grâce à l'item que j'ai eu. On se retrouve à la base, ça évite de perdre trop de temps là. A toute. Ok, et on se retrouve du coup dans la tour. J'ai préparé un petit peu de matos. Et donc, euh, première chose, sachez que la Nether Star sert quand même pour euh, plusieurs crafts, en fait, pour plusieurs petites choses. Donc notamment, euh, Ancient Staff Topper. Donc une baguette. Donc bien évidemment, le Bicône. Euh, d'ailleurs, Topaz, je ne suis pas sûr d'en avoir. Et ça sert aussi pour faire Ancien Staff. Et je me demande si c'est pas ça d'ailleurs. Pour aller dans la dimension Biome of Plenty, j'ai un doute. Mais en tout cas, voilà, ça sert pour pas mal de choses. Et euh, dans l'immédiat, on va déjà commencer par faire ça. Alors, il me faut... On va virer tout ça. Voilà. Il me faut quand même pas mal de ressources. Il me faut du diams. Je crois que c'est 4 pour la pomme. Pouf. Alors, hop. Euh oui, tu vas y arriver. Voilà. Une pomme. Et non. Ensuite, donc c'est la pomme. Quoique, non, c'est comme ça, je crois. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc, première chose. Ensuite, deuxième chose, est-ce que j'ai du gold Ouh, je ne vais pas en avoir assez. Je vais pas en avoir assez. Oh J'ai rien dit Merci les petits nuggets, ça a hein, l'air de rien, on s'en occupe pas. Mais en attendant, ça cuit. Je les ai mis en lingot et ça me sauve la vie. Donc ça c'est parfait. Hop alors ça, vous, ça va vous montrer à quel point il faut farmer quand même pour avoir vraiment max de vie. Tiens, j'ai même un bloc en rab. Parfait. Paf. On retrie ça. Et si je dis pas de bêtises, il me faut le yellow. Il me faut ça. Et il me faut la pomme over cheat. Et voilà. Yellow Earth Canister. Et donc, j'en avais parlé dans un des épisodes au départ. Et du coup, ça me permet ici. Pouf de rajouter un cœur supplémentaire. Alors, au même titre que les Red Heart Carnister, le Yellow Heart Carnister, il en faut 10 aussi, si vous voulez avoir, euh, voilà, ici le max de vie. Mais du coup, j'ai un cœur en plus. Euh, donc, bah voilà, l'air de rien, c'est pas rien, c'est quand même pas trop, trop mal. Euh, sauf qu'il faut quand même farmer 10... Alors, on va ranger ça, il faut quand même farmer euh, 10... Euh... Oh, je fatigue, dis donc. 10 wither squelettes, voilà, il faut quand même farmer 10 wither squelettes pour être full life, donc c'est quand même pas rien. Mais bon, au moins ça a permis de vous montrer un petit truc de plus. Voilà voilà, bah désolé, j'avoue là, petit coup de mou. Euh, petit petit coup de mou, je crois que là, euh, vu le nombre... Le nombre d'heures que j'ai joué pour pouvoir faire cet épisode là, euh, la fatigue se fait ressentir. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié euh, cet épisode. Euh, dans le cas où il n'y a pas d'autres ép épisodes j'espère aussi que vous avez apprécié cette série en tout cas moi j'ai pris euh, un très très grand plaisir à la tourner Puis puis bah, forcément merci à ML2G pour le serve et, et puis bah, à Wix d'avoir bossé autant pour faire ce modpack parce que du coup ça nous a permis de faire quand même de, de jolies choses de choses assez sympas euh, si on arrive à trouver du temps ensemble pour faire un break dans Ragnablock et, euh, et faire un petit épisode sur mode avec par exemple la dimension Biome Plenty. S'il ne faut pas non plus farmer comme un cochon pendant 5 heures pour avoir une petite ressource pour ouvrir la dimension Biome Plenty, on se retrouvera dans un épisode supplémentaire. Sinon, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé cet épisode et d'avoir suivi cette série. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez bah, apprécié ce que vous avez vu et, et euh, si vous avez apprécié la série. N'hésitez pas aussi à laisser. Euh, bah, des petits likes, ça fait toujours plaisir de voir, euh, de voir les likes quand vous, appréciez, euh, quand vous appréciez comme ça un épisode ou une série. N'hésitez pas aussi, forcément, ça fait plaisir à partager un épisode. Ça permet un petit peu de, euh, voilà, de, de, faire, de faire partager un petit peu euh, bah, ce qu'on a pu faire ensemble dans cette série. En tout cas, voilà. Je vous dis à très très bientôt. En tout cas, on se retrouve sur Ragnablock. Et d'ici là, portez-vous bien tout le monde. Ciao ciao.